Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim. On se retrouve aujourd'hui pour Splatoon 2 et le magnifique Splatfest. Alors oui, on a dit qu'on y jouerait pas, mais... Mais on y joue quand même parce que... On y joue parce qu'en plus, ils ont annoncé une nouvelle map, Canalamar. J'ai trois différents matchs, donc la mise à jour est là. Et du côté des armes aussi, il y a le Bing Bang Boom MK. Déjà qu'elle n'était pas utilisée cette arme dans Splatoon 1, elle sera pas utilisée. Ah, par contre, il y a Monsieur Ours qui recrute et qui fait des nouvelles tenues. Donc je pense que la prochaine vidéo, ce sera du Splatoon en Salmon Run. Et du coup, c'est parti pour ce festi-match. Le top et toilette, ça aurait-vous par-dessus ou par-dessous? Voilà. En fait, du coup, c'est dommage parce qu'il n'y a pas les nouvelles maps. Bah, est-ce qu'ils ont fait les couleurs, l'effort pour les couleurs bleu et rose comme ça? Ah oui, c'est bleu et rose, oui. Ouais. Bah oui. Oui, normal. Donc on espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pouce bleu, un commentaire. Bah, vous nous avez demandé quand même de faire une vidéo dessus, donc on l'a fait, mais c'est. Du coup, nous, on non, mais attendez, parce qu'on a eu des nouveautés. Ah, Splatfest américain. Qui sera le 13 octobre, je crois, donc le week-end prochain. On s'est dit, bah, il va y avoir PQ. Bah, non. Ils ont un thème Halloween, quoi. Mais oui, mais pourquoi t'as pas eu ça, nous? Vampire contre loup-garou. Mais oui, c'est tout à fait dans l'air du temps. Bon, on est content, il y a vraiment qu'en Europe. Tiens, il y a Dumtendo en face, génial. Ah, génial. Bonjour, monsieur l'Allemand. Je sais pas si c'est le vrai, ça m'étonnerait. Mais... Oh là. Bon, on a gagné. Bon, on a gagné contre Nintendo. c'est ouf, on est le seul Splatfest aussi naze, quoi. Ouais. Donc du coup, on montrera pas le résultat, parce que c'est nul. Parce qu'on a pas voté, on a fait à l'arrache, et voilà. Au moins, ils ont fait l'effort pour les couleurs. Mais bon, on est 3 contre 4. Ouais. Donc, on espère vraiment que le prochain Splatfest va être mieux. Au niveau de la thématique, donc c'est vraiment une décision de Nintendo Europe, je pense, et ça dépendrait que de Nintendo Europe. Hein. Donc je pense que Nintendo Europe, ils ont pris ça à la va-vite, le mec il a fait ça dans ses toilettes, et il a fait « Oh mince, j'ai oublié le Splatfest !» Tiens, il y a un truc qui m'énerve, c'est que le PQ est pas dans mon sens, allez hop, Splatfest. Non, c'est très bizarre. Bon, bref, on va éviter d'en parler parce qu'on a déjà parlé dans la dernière vidéo. Là, pour l'instant, on joue à Splatoon peut-être avec des abonnés. Peut-être avec des abonnés. Il y en a beaucoup qui jouent. On a un peu regardé sur Twitter. Il y en a beaucoup qui jouent au Splatfest en ce moment. Bah, de toute façon, à Splatfest, ça donne toujours envie de jouer. Hein. Ouais, bah, rien que pour gagner des coquillages, rien que pour les nouveaux. Bah, la plateforme polymorphe aussi qui est exclusive au Splatfest. Donc, c'est plutôt cool quand même l'ambiance de. Mais du coup, ils vont perdre quoi. Surtout qu'il y a un sniper en face. Pourquoi ils vont perdre? Ah oui, là ils vont perdre. Pourquoi ils vont perdre? De toute façon, moi je pense que c'est notre équipe qui va gagner. Je pense que c'est celle qui a été prise le plus de fois. Enfin, je sais pas, je m'avance peut-être, mais. Ah bon? Enfin, je sais pas, non? J'en sais rien, moi j'ai même pas choisi, j'ai pris direct, j'ai appuyé sur A en fait. Ah bon? Bah, c'est le premier quoi. Le premier, celui de gauche, je sais même plus c'est quoi. Si, c'est par-dessous, dessus. Susou. Je sais même pas. Bon, on est rose. En fait, l'équipe rose. Voilà. Il y a les roses et les bleus. Un de gamin à vampire contre loup-garou, j'aurais pris vampire. Voilà. C'était tellement bien intéressant. Je suis pas dans le bon sens, moi. C'est vrai, ils sont en train de faire du spawn kill, du coup, y a rien. Oh, les pauvres. Oh non, c'est triste ça. Moi, je suis en train de rien faire, du coup. Bah oui. Ah! Fais-toi tuer. Oh, le mignon avec son petit robot. Tu vas te faire tuer. Hein. Oh non, j'aime pas ça. Pourquoi? Bon, quand on est 3 contre 4, les gens ils font du spawn kill. Voilà, on avance un peu. Juste déloger le sniper, parce que sinon il va me tuer. Bah, c'est pas un sniper là, c'est un. C'est les pinceaux, brosse. Ah, j'ai visé à côté ou quoi? Ah, j'ai visé à côté. Je pense que tu vises carrément à côté. Fais gaffe, il y a une bombe robot hein, qui suit. Là, je conduis pas casser avec des bombes robots. Bah, c'est logique, c'est comme si tu pouvais casser une bombe splatch, une bombe ballon ou une. Ouais, c'est vrai. Ou une bombe curling. Ah, il t'en lance encore un robot. Mais quelle méchanceté! Bah, c'est normal. Là, ils font tout Pour essayer de faire un minimum de kills et un minimum de points. Parce qu'au final, ils vont pas faire beaucoup, beaucoup de points. Sachant que toi, t'en as pas fait beaucoup alors que t'as un aérogun. Tiens, rien. Oh, le pauvre. C'est bon, ça tire. Bah, c'est pas très intéressant. C'est très joli. Les couleurs sont jolies, mais c'est pas très intéressant. Là, c'est pas très intéressant, mais bon. C'est pour entamer la vidéo. Ça se trouve, aucune partie sera très intéressante. On sait pas. Il y a de fortes chances. Mais c'est un peu pour montrer aussi. Bah, les festivals, les Splatfest, on les a tous faits, donc. Ce serait dommage quand même de pas faire. Ce serait dommage de pas le faire, mais on espère vraiment qu'ils vont faire l'effort de. Oh, toi, tu vas faire un kill. Oh là là. Oh non, même pas. T'as même pas fait un kill de la partie. Bah, non. Mais je suis pas mort. T'es pas mort non plus. Voilà. Ouais. En plus, vous n'avez même pas bien recouvert votre. C'était. Pas du tout, hein, nul. Mais c'est pas grave. On va voir la prochaine partie. C'est une partie pour moi, ça. Bah, j'aurais dû te laisser la base. Ouais. Ouais, on joue contre des PQ de notre clan. On est tous roses. Ouais.
Voilà, ça commence. Alors après une partie à 4 contre 3, bah là c'est une partie contre les gens de notre équipe. Oh, du coup c'est pas mal les mêmes couleurs. Ouais, du coup ça met des couleurs toutes pourries. Ouais. C'est cool. C'est... Ah non, bah non. Bah non, mais normalement on est rose. Ouais, mais c'est même pas le bon, c'est pas le bon rose, c'est pas le bon bleu. C'est pas le bon bleu. Hein. C'est pas le bon bleu, c'est pas ouais, le bon c'est bon ça, rose. Non, c'est plus pastel. Enfin, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, au moins maintenant, on va dire un petit avantage à ce Splatfest, ils font l'effort de mettre des couleurs. Ce qu'ils avaient pas fait dans celui d'avant, c'était quoi déjà, le Splatfest d'avant? Maillot. Ah non, mais Ketchup, c'était mieux. Franchement, c'est mieux des nouveaux. C'est, en fait, les couleurs étaient vraiment géniales. Ouais, et puis en plus, il y a eu la nouvelle plateforme à ce moment-là, plateforme polymorphe, c'était à ce moment-là. D'ailleurs, on l'a toujours pas eu, là. Faudrait non, on a... bah attends, on a... ça fait deux parties qu'on joue. Ouais, bah deux chances sur trois. Ouais. Mais si, dis-moi, c'était quoi celui d'avant? Ah, les bébules. Quand même. On a perdu. Je sais pas, c'était nul. Je me souviens même plus. Mais c'est grave, hein. Ouais. Non, mais je sais plus ce que c'était. C'était... Attends, je réfléchis. Ouais, moi aussi, attends. Mémoire, mémoire. Non, mais c'est une blague, je sais même plus. Fais gaffe. Fais gaffe. Il y a une grosse portée, hein, des trucs comme ça. Ouais, je sais, t'inquiète, je gère. Ouais, oh, il t'a tué. Boum. Ils sont tous infiltrés dans la base. Ça, c'est parce qu'il y a eu plus de... C'est pour ça que je dis peut-être que le PQ que t'as choisi... Ouais, voilà. Ah, ils sont en danger, bah c'est une blague, ils étaient largement devant. Ouais. C'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Vite, vite! Vengeance! Vengeance! Ouais, the nothing! Fais gaffe là, mon robot. Là, ah oh non, je l'avais, Ali, la prince Ali, oui, c'est bien lui. Ali, à bas bois. C'est pas grave. En tout cas, t'as tué Nebula. Hein. Non, mais c'est quand même cool de jouer à Splatoon de temps en temps. Surtout pour les Splatfest. On peut pas se permettre de les louper vu qu'on n'en fait pas non plus du Splatoon tous les jours. Donc, ouais. Splatfest, c'est un peu dommage. Enfin, oui. Après, en soi, voilà, le vote, on boycotte le vote. On montrera pas les résultats dans la vidéo. On verra bien sur internet, vous verrez de votre côté. De toute façon, c'est dit avant qu'on sorte la vidéo. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, nous, on s'en fiche du résultat. Qu'on perde ou qu'on gagne. Qu'on perde ou qu'on gagne parce que c'était nul. Y'a rien à défendre. Y'a rien à défendre. Ketchup Mayo, il y avait quand même Ketchup Mayo à défendre. Hein. Et on espère vraiment que Nintendo Europe fera un effort pour le prochain. Enfin, c'est Nintendo Europe. Sinon, non, oui, c'est Nintendo Europe. Ils ont fait Halloween aux États-Unis, ils non, ont fait Splatoon au Japon et en France, bah le PQ, Cimer. Alors Splatoon en Japon, c'était pas terrible non plus parce que c'est pas un thème innovant. Mais moi, c'est mieux que PQ et à choisir, je préfère. C'est plus dans la thématique quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin bref, on a déjà fait notre truc, mais... Oui, mais comme on vient d'apprendre le Splatfest américain, en fait, on avait des craintes en se disant « Ouais, peut-être que c'est américain, peut-être que c'était mondial, peut-être que c'était mondial, et il y a les Japonais qui ont juste... » Non, tu vas mourir. Mais non, c'est bon, t'inquiète. Quand même, je l'ai vu, hein. Vite, recouvre les bébules. Non, je veux pas, lui. Il a une meilleure arme. Il a le liquidateur pro. Pro Stagma. Et donc sur Switch, qu'est-ce qu'ils ont ce mois-ci? Il sort Super Mario Odyssey. Je suis de cœur postal. Ouais, ah t'as perdu, tu t'es fait laminer. Donc sinon, on allait voir ça. Ah oui, on allait voir ça. On a toujours pas eu notre avis. Alors, c'est un bon film, mais c'est un mauvais film d'horreur. C'est pas mauvais, mais c'est pas un film d'horreur. Quoi. C'est pas un film d'horreur, c'est impossible. Moi j'ai peur devant les films d'horreur et j'ai sursauté une fois. Et attends, pour bien conclure ce Splatfest, voilà. Alors. Une partie à 4 contre 3, une partie contre nos propres équipes et une erreur de communication. Bah je pense que c'est bon en combien? En 10 minutes, c'est pas trop mal. On a fait un bon score. Non mais c'était cool ça, mais c'était pas fou, ça fait beaucoup de bruit pour pas grand chose et en plus ça annonce une suite alors... Bah moi j'ai bien aimé... Sur un truc où je trouve même pas qu'il y aura une suite en fait, y a même pas... Ça bah, c'est parce qu'il y a le livre, ouais, mais ça va refaire la même chose, ça va refaire exactement pareil, ça va être exactement pareil. Sauf oui, je pense que par contre, la suite, ça va être exactement pareil, ouais. On a vu tous les youtubeurs, on a vu tous les presques en parler en disant wow, « Waouh, c'est... » Ouais le meilleur Splatfest du monde. Et on a vu tous les youtubeurs et tout qui étaient invités, qui recevaient... Et on voyait, même sans ça, c'est-à-dire que tout le monde a parlé, tout le monde dit « Ah, c'est génial et tout », et en fait, ouais, c'est, bah, pas, c'est pas... Ça casse pas trop vu à t'as un canard, quoi. Ouais, ça se regarde. Enfin, ça pas se regarde, c'est... Ah non, c'est bien, c'est bien. Ouais, tu le regardes, t'es tranquille, Bah en fait, c'est le problème, mais les gens, ils vont dire « Non, moi, j'ai adoré », c'est en fait le problème de que vous nous ayez dit « Ouais, c'est génial, vous allez voir, c'est waouh, ouf, machin ». Et en fait, on a sursauté une fois Vitzef, et c'est tout, quoi. Une fois Vitzef. Ouais, non, oui, Guillaume, il a sursauté, j'ai entendu. Une fois. Une seule fois, parce que, ouais, c'était un passage là où, tu sais, il spawn d'un coup, là, tu le vois pas, et bam, il se retourne, et tu es ok, d'accord. C'est une bonne... Non, en fait, ils ont voulu... Non, mais c'est un bon packaging commercial, ça a bien vendu, on est tous allés voir, la preuve, hein, y en a plein qui sont allés voir, ça a bien marché, c'est un film que tout le monde peut regarder, au final. Ouais.
c'est pas trop mal, et voilà, et ça marche bien, mais c'est pas non plus le film de l'année, quoi. Ah non, c'est pas le film de l'année, oh bah loin de là. La La Land était vachement mieux. Pourquoi t'as eu un son poison? Non, non, il m'a tué derrière. Ah bon. La La Land, on a, pour nous, pour l'instant, c'est La La Land le film de l'année. Ouais, au ah niveau bah si. Musical, au niveau époque et... romantisme... Et... Non, non, mais même ce... Oh là là, mais c'est une blague, Cimer, quoi. Mais non, mais oh c'est... Bah, non, mais ils, non, ont mais... ils sont apparus Je sais pas ce qui se passe, hein, mais je me fais poutrer depuis tout à l'heure. Ils sont dans ma base, et puis t'as les... Oui, t'as les autres qui sont là-bas, qui t'aident mais même c'est pas. C'est nul. Et en plus, on ils sont en danger gens... Non, mais en joue... plus, ils sont en danger. Mais oui, mais ils font que du kill. Ils s'acharnent sur moi, c'est insupportable. Allez, allez. Mais voilà, en fait, c'est surtout un film. Enfin, c'est un livre. Donc voilà, déjà, c'est un livre. Donc le livre peut être bien, je pense. Mais ça suit pas forcément le livre, parce que le livre est un peu trash. On a vu le synopsis c'est... du livre. Si ça avait suivi le livre, ce serait moins de 18. Hein. Mais c'est. Voilà, c'est. C'est ça a été. Casualisé. Casualisé, ouais. Comme ça a été mignonitisé. Ouais, c'est mignon. Voilà. C'est mignon. C'est, ouais. En fait, c'est mignon. C'est mignon. Même le clown, je trouve pas qu'il fait peur. Oh, il est très bien fait, mais. Si, quand il ouvre la bouche, c'est crade, là. Ouais, mais c'est tout, quoi. En fait, c'est plus crade que horreur, en fait. Ouais. Parce que c'est un peu crade. Ouais, quand il se fait. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est du 12 ans, quoi. C'est, ouais, c'est du 12 ans. Franchement, ça avait pas peur. Ouais. C'est... En fait, je m'attendais tellement à flipper comme une folle que moi, je suis arrivée. Oh bah ça va, tu t'es sorti du film. Bah c'est ça, hein. Non, oh, mais, bah, non mais même sans s'attendre à un film d'horreur, c'est pas fou. C'est... Tu vois, au final, regarde, ils t'ont focus. Tout le monde peut le regarder. C'est un film que tout le monde peut regarder. Bah non, pas moins de 12 ans. Non, moins de 12 ans, non, peut non, pas. Non, mais, non, mais c'est ils ont banalisé le film d'horreur, quoi. C'est-à-dire, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est, ils ont tout lissé. Ils ont lissé l'histoire. Ils ont tout lissé. Et tu regardes un film, tu fais ah ouais, d'accord. Ah, il y a les méchants, les gentils. Bah, les gentils gagnent. Voilà. Vraiment, j'ai eu l'impression de voir les Goonies. En vrai, c'est les Goonies. Y a même pas, c'est fait même pas plus peur que les Goonies, quoi. Moi, j'ai même pas vu les Goonies. Bah si, c'est une bande de gamins. Oui, je sais, je connais l'histoire, mais j'ai jamais vu les Goonies. C'est exactement les Goonies. Mais dans les années plus récentes, quoi. En mieux fait. Mm-mm. C'est mieux fait. Ah bah, en même temps, c'est plus la même époque. Mais y a rien de surprenant, tout est bien qui finit bien. C'est des potes, au final, ils sont toujours potes. C'est les Goonies. Pour ceux qui connaissent les Goonies et qui ont vu à la télé. Alors moi, je l'ai pas vu quand c'était sorti au cinéma, les Goonies, hein, parce que c'est vu, hein. Mais je crois que c'est les années 80, mais... Ouais, mais en même temps, t'étais pas un peu... T'étais pas né. T'étais pas né. T'étais pas né. Non, mais t'étais c'est un poisson. Pour ceux à qui ça donne référence, c'est les Goonies. Les Goonies avec... Mais tu veux pas rigoler à ma blague. J'étais pas né, j'étais un poisson pas né. Ouais. Bah... Ah MDR. Bah tu vois, plateforme polymorphe, tu l'as demandé. Et en plus, on joue contre et les en plus... Wouh ouais, le staff commence, en fait. Ouais. Et vraiment jolie, cette map. Cette map est très jolie, c'est bien qu'il la garde pour les Splatfest, ça, ouais, rajoute, ça quelque rajoute quelque chose. Je suis GK. GK Annie. Annie. Il y en a un qui saute partout là. Ouais, Mage. Ah mince, j'avais plus d'encre. Ouais, c'est Clilian. Ouais, attends, qu'est-ce qu'on allait voir comme film bien? Ah bah aucun. C'est difficile, c'est pour ça que La La Land on dit que c'est un des meilleurs de cette année, parce qu'en fait cette année on n'a pas été bah on attend Thor, Ragnarok. Ouais, mais... parce qu'il a l'air... Non, il a l'air quand même vachement sympa. Bah ouais. Si on a vu Transformers, oh là là, ouais c'est... Ça se regarde, mais c'est... Enfin si, moi j'aime bien, parce que c'est Transformers, j'aime bien. C'est joli, mais c'est nul l'histoire. C'est super nul l'histoire, quoi, c'est... Ah, oh, il y a des chevaliers, la table ronde, et en fait, non, ils sont gentils, mais ils sont méchants, et puis... Et puis, le petit vice-prime est méchant, et puis en fait, il est gentil, et puis il sauve le monde, et puis voilà. Bon, ben, on est mort. Ouais. Je pense que l'équipe rose va perdre. Tu penses? Le Splatfest. Oui, parce qu'en fait, on tombe souvent avec des gens de notre équipe, et en fait, bah, quand ils tombent contre nous... Attention, il y a Hamster. Par. C'est pas possible, ouf, bah, attends, toi. Va-t'en! Il m'a suivi tout le long, ouais. Quoi. Ouais, non, film de l'année. Ah bah, Ko. Bonjour, Ko Karma. Bonjour. Content de nous voir. Hein. Qu'est-ce qu'on a regardé comme film? Bah, Princesse des Caraïbes, n'importe quoi. Pirates des Caraïbes. Ah, l'attaque! Pirates des Caraïbes, c'est pas le film on de l'année. On a vu le roi Arthur, alors ça c'est. Ouais. Si. Ouais. Moi j'ai bien aimé. Ouais! Bien joué. J'ai bien aimé Wonder Woman. Ah oui, on a vu Wonder Woman, ouais. Là, au-dessus, il y a une fontaine. C'est bateau aussi. Ouais, mais j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les acteurs, j'ai trouvé bien dans leur rôle. Non, moi j'ai bien aimé. C'est pas le film de l'année non plus, mais j'ai bien aimé. T'es en train d'abandonner tes coéquipiers à leur sort, là. J'aurais bien passé là, en fait. Ah oui, d'accord, faut passer par là. Ouais. Moi je serais pas allé par là, mais oui. Ah, tête
Vite, retourne-toi, vite, retourne-toi, retourne-toi. Eh, hey, t'as peut-être fait avancer un peu l'équipe, hein. Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Ouais, sinon on a vu quoi? Ah si, Soleil Vert, c'est pas mal, mais c'est pas la même année, étant donné que c'est pas sorti cette année. C'est 1973, mais c'est pas mal. Ouais, si, ça c'était pas mal, mais c'est un peu le poussé vice de la société, quoi. Ouais, oh, vous avez perdu. Pff, sérieusement. Le seul match qu'on fait contre des gens, c'est le premier match, là, en 20 minutes, vous vous rendez compte? En 20 minutes, c'est le premier match qu'on joue vraiment contre les gens qui sont pas de notre équipe. Et sans déconnexion. Et sans déconnexion et sans un joueur en moins. Là, en 20 minutes, on a eu une seule partie qui était bien. Ouais. Une seule partie qui était... Bah là, on s'est fait poutrer, mais c'était bien parce que c'était la bonne équipe en face, c'était une nouvelle map. C'était normal, c'était, quoi. C'était pas bugué, normale. On avait chacun autant de joueurs. C'est juste que t'étais nul. Bah non, j'étais premier de mon équipe. J'ai fait 1000 points, alors je suis pas nul. Si tu joues pas avec moi, je te casse la voix. Oui, bah sinon, c'est toi qui vas jouer, tu vois, ta partie, ça va pas être... C'est vrai que j'ai même pas joué, mais en fait, On parle. J'ai ma partie de Home Escape dans la tête. Mais du coup, on ira voir Blade Runner. Oh, ah, une deuxième partie. Ah. Blade Runner 2049, parce que c'est quand même Harrison Ford, Ryan Gosling. Mais c'est pareil, j'en attends rien. En fait, faut rien en attendre des films. Parce que si on en attend un petit peu, tu vois, ça, moi, je vais en attendre un petit peu. Si on m'a dit c'était bien, les gens nous ont dit il faut aller plutôt aller voir ça, je me dis ah tiens, ça va être pas mal. Moi, je m'attendais à un film d'horreur, du coup. Ouais. Après, les gens nous ont dit non, t'avais pas vraiment peur et tout, donc. Ouais, mais on s'attendait. Je m'attendais à ça. La blague. Non, mais en plus, non, mais je voulais même pas te dire ça comme ça. Oh. Je m'enfonce. Ouais. Bon, bah, j'arrête ça alors. Bon, c'est fini. T'es entouré comme un steak là. Mais oui, mais c'est pas possible. Mais voilà. Non, mais je me fais focus par trois personnes en même temps et pourtant il y a mes alliés qui sont autour. Tu te dis, mais c'est une blague. Mais ils t'aiment pas les gens. On est trois aéroguns, c'est quoi cet équilibrage tout pourri? Oui, t'as pas vu au début? Non, mais c'est tout pourri. Et alors peut-être qu'on va gagner, mais ça va être nul pour les kills. Il y a un sniper, il y a un calibre. Non, c'est un Bounty Hunter et deux N-Zappers. Bon, c'est pas hyper bien, il y a quand même deux N-Zappers. Hein. Ils sont en danger. Mais l'équilibrage en même temps, ils peuvent pas faire. Bah, si. Essayer de trouver une équipe en face. Cimer. Là, bah, oh surtout qu'en plus, les armes elles sont choisies avant, donc je vois pas c'est quoi le problème en fait. Ils savent très bien quelles armes on a. Il y a le. Ouais, il y a le sniper qui est là. Ah, mais il a fait aussi. Ouais, vous êtes bien rattrapé là, non? Ah, ouais, pas mal. Ouais. Si, c'est pas mal, mais. Je suis mort. Ouais. Il y a des chances. Ah non, c'est bon, t'as ton allié qui t'a sauvé. Merci petit. Attention, par contre, t'es mort. Mais il est où? Oh là là. Mais il est super loin. Badigeonneur. Ah, badigeonneur, ouais. Badigeonneur, donne-moi ton badigeonneur. Bah, attends. Bon, là, il te focus pas, là. Il faut qu'il y ait un allié qui arrive. Vite, vite. Oui, bien joué. Bon, ouais, non, par contre, fais attention. Là, tu vas pas pouvoir l'avoir tout seul. Il te focus trop. Ah non, en plus il a ça. Tu t'es fait coincer. Ouais, je suis resté coincé. Pas de chance. Je pouvais plus remonter. Pas de chance. Bon, ça va, 28 secondes, vous avez intérêt à tenir le rythme. Il y en a deux qui sont morts de l'autre côté, il y en a qu'un qui sont morts de ton côté. Bah, tu vois, vous avez gagné la partie. Normalement. J'attends de voir. Mais c'est insupportable. Non, mais ils sont au milieu. Bah, vite, recouvrez dans leur équipe. Vite, 7 secondes. Allez, sans danger. C'est bon, vous avez gagné. Mon Guillaume a été le recouvreur de... Non. De toutes les parties. Bah non. Bah si, t'as bien recouvert. Bah j'ai fait que 900, c'est nul. Ah bon? Ouais. Non mais ils ont failli gagner. Ouais, ils ont failli gagner. Hein. N'importe quoi. Ouais, ils étaient loin quand même de gagner, mais... Ouais. Mais c'est pas équilibré, dans le sens où on se fait killer et ils perdent, c'est ça que je comprends. Enfin, bah parce que vous avez 3 aéroguns et ils ont un sniper, donc mais le sniper il kill, regarde, il a fait 6 et. T'as 4 armes en kill en face et on a 3 armes de recouvrement. Bah oui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune bataille possible, c'est juste. C'est n'importe quoi ce Splatfest, de toute façon on l'a dit dès le début. Hein. Mm. Bon, alors on en fait une dernière. Une dernière. Allez, on est ouf. Ouais, c'est quand même énorme. Et en plus, on est un niveau 2 avec nous. C'est quand même énorme. Alors, ouais, peut-être que oui, que le rose a été plus choisi, mais même sans ça, quoi. C'est... Bah, à ce moment-là, vous attendez, on attend, quoi. Enfin, vaut mieux attendre 3 minutes, avoir une partie avec. On va mettre la même miniature avec la Splatoon qui fait la facepalm, et puis je dirais, c'est catastrophique, quoi. C'est même plus un Splatfest, c'est-à-dire que tu veux faire du classement, bah ça sert à rien, parce qu'en fait, tu tombes même pas contre tes vrais ennemis, et puis sinon, ça bug. Ouais. Les 10 premières minutes de la vidéo, c'est que des parties qui bug, hein, quand même. Ouais.
Alors il y a un moment, on va se dire, on va les enlever, mais on peut pas tout enlever non plus. Non, mais voilà, il y a un paquet de gens aussi qui jouent et qui n'ont pas forcément des bons matchs, etc. Et sinon, montrer que des bons matchs, les gens ils diraient ouais, mais c'est abusé. Oui, bah oui. Moi j'ai joué et j'ai eu que des matchs pourris, quoi. Ouais, mais c'est pas du tout recouvert dans votre. Ouais, mais je vais y aller parce que. Non, on veut montrer ce que c'est le Splatfest. Splatfest, c'est-à-dire que bah, on peut tomber sur notre bonne équipe, sur la mauvaise équipe, c'est un tout. Bah oui. Oh, bien sûr, tu perds ton truc. Non. Oh oui, c'est un autre. Non, c'est pas lui, c'est un autre. Ah bon. Dommage. De toute façon, tu joues avec contre ton équipe, là. Oui, de toute façon, ça si on gagne ou on perd, ce sera pareil. En tout cas, nous, Splatoon, c'est vraiment pour le fun. Hein. C'est vraiment pas pour le game, pour la victoire. Enfin, si, la victoire, si. Mais c'est vraiment fun, en fait. On veut que ça reste fun. Voilà. Non, mais ça le fait pas tomber. Il y en a qui étaient là. C'est pas ouais. Ça. C'est vraiment pour le fun. Splatoon, le Splatfest, le Salmon Run... Ouais, on est nul, machin. Bah oui, mais non, on s'amuse. Ouais. On s'amusait à faire cette vidéo. C'était marrant. Oh là là, il a bien joué. Je me suis fait décaler. Ouais, bah. Mais oui. Non, il a pas bien joué. Mais si, parce qu'en fait, au lieu de te viser toi, il a visé le truc. Non. Ah bon? Mais non, il me visait moi. C'est juste qu'il a le marqueur lourd, donc ça part très vite sur les côtés et il visait en même temps le truc. Du coup, ça m'a décalé. Mais ça se trouve, pas du tout. Ça se trouve, il visait la petite mousse, là. La petite éponge, non. Ton texte. Il est mort. Je sais pas qu'on avait un petit chien. Mais c'est une blague, elle est cachée là. Mais non, tout ça pour en revenir à ça. On est l'un contre l'autre et en plus c'est des gens qui campent quoi. Ouais. Cimère quoi. Ah, bon allez, tuez tous les violets, tuez les verts. Allez, en plus on est tombé sur un GLK seulement et il y en avait un autre et il est parti. Mais vas-y, tire-le. Non, je tire pas. Moi je m'en vais, je vais dans leur base. Ouais mais tu vas te faire tuer. Fais gaffe, protège ton allié, il arrive. M'en fous. Il mourra! Si c'est comme ça, c'est comme ça. C'est le destin. Ah en fous, j'ai lancé des bombes. Voilà. C'est la cata. Mais non, c'est la cata! Mais... Ah non, t'as gagné! Bah oui, quand même! Bah oui, quand même! En plus, vous n'êtes même pas bien recouvert. Non, mais vous méritez même pas de gagner. M'en fous. Bah, gagner, c'est le principal. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. Ouais. Ah! Il avait. Mais c'est marrant, on dirait GLK, mais avec d'autres noms. Il avait le casque et les chaussures. Oui, mais non, mais il avait le parapente. Ah, le parapente XL. 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 Qu'on a toujours pas parce qu'il faut être niveau 26. Ouais, 23. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout joué à Splatoon. Voilà. C'est bon pour Splatfest. Et puis, bah, on verra bien les résultats dans la prochaine vidéo de Splatoon. De toute façon, tous ceux qui nous suivent sur Twitter, vous le verrez bien. On retweetera le truc. Et je pense, là, la vidéo, il est 14h35. Je pense qu'on a perdu. Parce qu'on tombe trop. On est trop tombé contre des gens de notre équipe. Et s'il vous plaît, prochain Splatfest. Si vous avez vraiment pas d'idée, demandez aux gens. Oui, demandez aux gens, faites un vote, faites un site où on vote. Ah ouais, non mais franchement, là, on passe pour des... Vous vous rendez compte, auprès des Américains, auprès des Japonais, ils disent « Ah, ils ont un truc sur le PQ, les Européens. » Ouais, c'est ça. Bah oui, mais c'est pour ne choisit pas, enfin c'est Nintendo qui impose ça. Soit ils s'en foutent des Européens, Bon bref, on en a déjà parlé. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Faut pas hésiter à mettre des pouces bleus, des commentaires, à nous dire dans les commentaires si vous avez eu, vous avez beaucoup gagné dans votre équipe. Ouais, carrément. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de GameAki. Allez, salut. Salut.